La séance est ouverte. J'ai la satisfaction de vous signaler que l'exercice en cours du syndicat va se révéler bénéficiaire. Nous allons donc pouvoir créer un département garanti d'essai et une allocation chômage pour nos passeurs emprisonnés. Le gouvernement, en instaurant le marché commun, a continué notre œuvre. Nous devons donc continuer à orienter sa politique, empêcher les passages dans un seul sens qui peuvent nous attirer des hostilités. C'est le 27 décembre 1942, vers 16h, que je suis allé pour la première fois dans un cinéma au Paramount de Paris. Lettre d'amour de Claude Autant-Lara n'était pas vraiment un film pour môme de 5 ans. J'ai beaucoup bâillé. J'ai tout oublié du film. Ce dont je me souviens, c'est que mes parents m'avaient emmené ensuite dans un café voisin. J'ai pris une grenadine un peu amère. Ils ont continué à bavarder assez longtemps. Par contre, le deuxième film, je m'en souviens très bien. C'était au cinéma Le Casino, à Bagnères-de-Bigorre, un soir de mars 44, que je vis François Ier avec Fernandel. J'avais beaucoup ri. Ce fut mon premier film véritable, puisque j'avais vu Lettre d'amour dans un état d'inconscience totale. Début décembre 45, j'ai été captivé par un numéro spécial de L'Écran français, hebdo que lisait ma mère, consacré au cinquantenaire du cinéma. Les photos des films les plus célèbres laissaient la porte ouverte à mon imagination. Je crois que je le connaissais par cœur. Cette lecture fit que j'eus désormais des choix de films assez pointus. Mon premier Dreyer, Jour de colère, ce fut à 9 ans. L'Écran français demeura longtemps ma seule source d'information. Je croyais alors que les jugements exprimés sur les films, confirmés par les sourires et les pleurs du Minotaure en effigie, correspondaient, comme en maths, à une réalité objective indiscutable. Et je m'en voulais quand ma réaction personnelle au sortir de la salle était toute différente. J'étais passé à côté de la plaque. Vers mes 12 ans, je me rendais plus volontiers au théâtre, car L'Écran français, complètement dévoré par le stalinisme, n'était plus fiable et je ne savais plus quel film voir. Je repris contact avec le cinéma grâce au ciné-club du Quartier Latin, où j'allais fréquemment. C'est là que j'ai pu apprécier Citizen Kane, La Règle du jeu, Le Grand Sommeil. J'allais si souvent au ciné que je faisais semblant de me rendre au théâtre afin de rassurer mes parents préoccupés par cette fixation. Cette polarisation, comme avant celle sur le théâtre ou la géographie ou le vélo, ou sur un monde d'êtres fictifs, de 1941 à 1946, je ne vivais qu'avec les goons, constituait aussi un refuge face à l'atmosphère lourde qui régnait chez nous. Mon père était un psychoïde léger, témoignant d'un amour paternel et conjugal excessif, blagueur et charmeur, mais aussi difficile à vivre. Précisons que papa, militant pro-nazi, avait fui juste avant d'être condamné à mort par contumace, sentence infirmée par un acquittement en août 46. Ces conflits perpétuels à 4 dans 20 mètres carrés firent que je me repliais complètement sur moi-même. Je n'ai pas eu une seule conversation avec un jeune de mon âge entre 9 et 17 ans. Je n'ai jamais lu un seul illustré, ni joué aux billes, ni à la marelle, ni au foot. Je pensais surtout à Dreyer, à Eisenstein, à Murnau, que mes congénères ignoraient. J'étais peut-être un peu prétentieux. J'avais du mal à m'assumer. À cet âge, n'ayant encore rien fait, je ne pouvais me reconnaître que comme le produit d'un foyer hors norme et en cri continu que je préférais cacher. Je ne parlais jamais à mes parents de mes divers problèmes relationnels, ce qui aurait entraîné leur réaction étonnée. Du moment que leur gosse travaillait bien en classe, j'ai eu mon bac à moins de 17 ans, le premier moulet à l'obtenir. Ils ne savaient pas que j'étais nul pour le reste. Le cinéma, donc. Rien que le cinéma. Au ciné-club du Quartier Latin, de nombreux débats étaient animés par Éric Rohmer. On l'avait présenté comme rédacteur au Cahier du cinéma. C'est ainsi que j'appris l'existence de cette nouvelle revue, laquelle se vendait au Quartier Latin dans de rares librairies ou kiosques. Les cahiers allaient constituer ce guide dont j'avais besoin pour choisir les films à voir. Quelque peu rebuté par cette avalanche de noms nouveaux et de films inconnus, j'allais vite me rendre compte du bien fondé de cette nouvelle forme de critique dont je reconnus définitivement la justesse en allant voir le 8 juin 1954 La Rivière Rouge de Hawks dans un petit ciné de quartier, le Florida, près de Belleville,
puis les autres Hawks à l'affiche. C'est ainsi que je me lançais à la chasse aux cinéastes inconnus ou oubliés. Chaque fois que j'allais voir un film d'un réalisateur dont je ne savais rien, je me disais que c'était peut-être un génie. Il y avait de quoi exalter un jeune de 16 ans. En octobre 1955, après 3 tentatives infructueuses, j'envoyais au cahier un article sur Le Bandit d'Ulmer, suivi d'une filmographie assez complète. Le texte était médiocre, j'étais conscient du génie d'Ulmer, mais à moins de 18 ans, je n'étais pas encore capable de le définir exactement. L'article fut accepté. Je croyais rêver, à cause évidemment de l'inappréciable filmographie. Mais quelques jours avant la sortie du Bandit, Truffaut m'écrivit « Bazin, avant de quitter Paris, m'a chargé de vous restituer vos articles qui, décidément, ne conviennent pas au cahier. Je vous joins aussi la filmographie d'Ulmer, puisqu'il serait malhonnête, je pense, de la publier privée de votre texte critique. » Je frôlais la crise cardiaque, mais répondis à illico à Truffaut, profitant de mon pouvoir épistolaire bien plus évident que la puissance de ma parole. J'en eus encore la preuve en 1981, lorsque, grâce à une lettre qui le fit beaucoup rire, j'arrachais à Truffaut son adhésion à la SRF, la Société des réalisateurs de films, alors que tout le monde, malgré 10 ans d'efforts, avait échoué dans l'entreprise. Donc, dans ma réponse, je faisais mon autocritique le plus sincère possible. Et le surlendemain, je lus la nouvelle missive de François Truffaut. Je reçois à l'instant votre lettre et j'y réponds de suite tant elle est sympathique et me révèle un moulet insoupçonné, plein d'humour, décontracté et lucide. Et une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, le plus dur est fait. Mieux vaut perdre 7 jours à rédiger un index que de passer 2 ans dans une école de journalisme ou de cinéma. Le refus initial de François Truffaut, sous l'alibi Bazin, était de toute évidence inspiré par la peur d'introduire au cahier un mec plus terroriste que lui et qui le doublerait. Il avait peur d'être ridiculisé indirectement par la caricature de lui-même que j'étais, de lasser les lecteurs des cahiers par cette escalade perpétuelle du dénigrement des dinosaures et dans l'exaltation d'inconnus. Après ce premier texte publié, tout devint plus facile pour moi. J'eus la bonne surprise de recevoir du fric pour mon article, ce à quoi je ne m'attendais pas, j'aurais payé pour écrire au cahier. Je courus donc acheter aux puces, c'était moins cher, un vélo. C'est un must pour un critique de film. Ça me permettait d'assister à la suite, à la séance de la Cinémathèque de Chaillot à 20h30 et à celle du Quartier Latin de 22h30. 13 minutes de route, il n'y avait pas plus rapide. J'étais très groupie. J'étudiais ligne après ligne chaque texte de Truffaut et de Rivette. Je découvris ainsi le point fort de Truffaut. Il démarrait toujours sur le particulier. Un détail précis, quelque chose de vivant, de rigolo, pour dévier sur le général qui en découlait. La vérité à déceler, alors que ses tristes confrères, dès le départ, axaient tout sur le général en oubliant le particulier. Le général, voilà l'ennemi. Tel fut mon slogan dès mai 1858. Je m'efforce toujours de respecter cette règle. Mon statut de groupie me mettait mal à l'aise. Je voulais nier cette dépendance. Je me repens aujourd'hui d'avoir reproché à François Truffaut une contradiction, des broutilles, une erreur objective. Ça l'agaçait à une époque où il avait lui-même à lutter contre des adversaires multiples. J'essayais ainsi de nier cette supériorité évidente par l'âge, par l'expérience, par le talent. Le grand avantage des cahiers, c'est que toute la vie de la revue se concentrait dans une seule pièce de 7 mètres sur 4, envahie par 2 tables aux angles non protégés. Rien de ce que disaient Truffaut, Rivette, Romère, Godard et Chabrol ne pouvait échapper à mes oreilles. Promiscuité et communication permanente, c'était parfait pour moi qui avais vécu jusque-là hors du monde. Sur ces tables, on écrivait, on tapait en se distribuant l'unique Underwood, on téléphonait depuis l'unique combiné. Les rédacteurs, dont moi, mettaient les cahiers dans des enveloppes destinées aux abonnés. Ça ne se passe plus du tout comme ça en 2021 au cahier. Chacun corrigeait les textes du voisin à la recherche de la moindre coquille, une ardeur excessive. Comolli, Rivette et Biesse restèrent 61 heures de suite au bureau, sans dormir, pour corriger les épreuves du numéro 150 sur le cinéma américain, en écoutant Sheila comme dope.
S'il fallait essayer de définir la nouvelle critique, je dirais qu'elle était un peu semblable à la critique musicale ou à celle des poèmes. On ne va pas juger Haïda ou Tosca sur le livret, ni Bérénice ou la Chartreuse de Parme sur l'histoire narrée. Dans l'opéra, à l'époque, on ne comprenait pas les paroles chantées, tout comme on ne comprenait pas les dialogues dans un Mizoguchi sans sous-titres. L'acuité du regard de Truffaut provenait du fait qu'il voyait des Hitchcock ou des Lang doublés en tchèque ou en VO sans sous-titres. Il accordait donc une importance particulière au jeu de l'acteur ou à un mouvement d'appareil. Les cahiers vantaient un cinéma de la façon et non plus un cinéma contenutiste. La mise en scène pouvait donner un sens tout autre, parfois plus profond, que celui du vulgaire scénario. La chose d'un autre monde de Hawks se rattache à la série Anti-Rouge, mais se révèle le plus communiste des films parce que c'est l'œuvre qui fait le plus s'animer et vivre toute une communauté à l'intérieur d'un même plan. Je ne m'attarderai pas sur ce que chacun connaît, la mise en évidence des figures de style et des thèmes identiques d'un film à l'autre à travers l'œuvre d'un cinéaste. Cela nous a permis de démontrer que les grands classiques hollywoodiens étaient de vrais auteurs. Mais à la réflexion, ça veut aussi dire qu'ils rabâchent. J'écrivis au cahier un certain nombre de textes plus ou moins brefs en profitant de l'alibi filmographie. Mes filmos se révélèrent parfois un peu prime-sautières. J'avais l'habitude d'y mettre un faux nom. Par exemple, celui de ma grande-tante Léoncie Ruiz de Mantis. Ça me permettait de repérer les copistes. J'ai encore retrouvé son nom dans la grosse biographie de Hawks signée McCarthy. De même, Rivette sortait l'air radieux à la fin d'un navet, ou l'inverse, pour voir si les suivistes allaient vanter ce nardard. Les critiques de notre tendance étaient parfois d'un abord difficile, avec une orientation ésotérique intimidante qui rendait parfois le texte incompréhensible, mais plaisait au rédacteur en chef qui se révélait incapable de piger, donc de censurer cette prose idéale pour le papier glacé de la revue. Très vite, je décidai de m'en tenir à un principe. Tout ce que j'écrivais devait être facile à comprendre. Mon autre but était de faire rire. J'essayais de ne négliger aucun calembour possible. J'en avais fait une liste prête à tout usage. Je voulais surpasser en ce domaine Truffaut, ce qui n'était pas facile. Maurice Scherrer dit Romère que Chacelin appelait Momo, tout en le vouvoyant, merveilleux paradoxe, m'offrit même l'almanach vers Momo, ou plus exactement vers Mo, pour me faciliter le travail. De plus, mon humour n'était pas gratuit, il était toujours rattaché à une forme d'analyse sérieuse. Serge Danet m'avoua que, lorsqu'il ouvrait les cahiers, le premier article sur lequel il se précipitait était le mien. C'était un peu enfantin, mais j'adore être toujours le premier. Le texte qui me propulsa en avant fut la première étude approfondie sur Samuel Fuller en mars 59. C'est dans cet article que j'affirmais « La morale est affaire de travelling », formule qui, reprise par Godard sous sa forme inversée, eut un grand succès dans le demi-siècle suivant. Depuis, j'ai toujours suivi le conseil de Godard qui me répétait que j'avais le génie du titre et de la formule et qu'il fallait exploiter ce don plutôt que de concocter de longues périodes à la Faulkner, mon idole, à la cheville duquel je ne pouvais arriver. Momo m'a appris l'essentiel qu'on ne m'avait pas enseigné dans mes études. Il fallait non pas aligner des séries de phrases toutes faites, non pas s'acharner à respecter les diktats stupides, élimination du jeu, thèse, antithèse, synthèse, etc., mais suivre la logique interne de ma pensée. Grâce à tous ces écrits, je commençais à gagner ma vie à 20 ans. Cela me donnait un peu de marge de manœuvre vis-à-vis de ma famille qui voyait d'un œil inquiet cet acharnement à écrire sur des films, une activité peu sûre sur le plan financier. Comme alibi, je continuais mes études d'histoire-géographie. Dès 7 ans, j'étais programmé pour être prof de géo, en raison de ma passion enfantine. J'ai aussi commencé une licence d'anglais, ce qui m'a un peu aidé dans mes activités de critique et m'intéressait surtout parce que les anglicistes étaient plus séduisantes que les historiennes. J'ai prolongé les études d'anglais pour essayer de trouver la femme de ma vie.
Si je suis passé à la réalisation de courts, puis de longs métrages, c'est aussi parce que je pensais que ça me ferait des introductions plus faciles auprès des filles. Et puis, il fallait absolument que je continue à faire semblant d'étudier pour bénéficier du sursis militaire de 5 ans et éviter ainsi d'aller combattre en Algérie. J'avais donc l'avantage d'être un rat de bibliothèque et de pouvoir y trouver toute la presse yankee du jour. François Truffaut, l'autodidacte, moi j'étais un vélodidacte, vous le verrez plus loin, n'a jamais parlé l'anglais et bizarrement ne semblait pas au courant de l'existence des bibliothèques. J'étais devenu le monsieur filmographie des cahiers, Godard c'était monsieur Syncope, Rivette monsieur Marathon, quoiqu'il n'en ait jamais couru, Chabrol monsieur Province, Romer monsieur Masque, Truffaut c'était monsieur PTT, à l'époque poste, télégraphe et téléphone. Ces 5 cinéastes, tous étiquetés Nouvelle Vague, n'ont pas grand-chose en commun, à part de m'avoir beaucoup aidé, et pour la plupart d'entre eux, d'avoir adapté Henry James. Il y avait 2 familles, Truffaut et Chabrol d'un côté, Rivette et Godard de l'autre, avec Romer sur une ligne médiane. La bande des 5 admirait Hawks et Hitchcock, ce qui paraissait insolite en 1953, mais qui est devenu aussi courant aujourd'hui que d'encenser Molière et Racine. En 1959, presque tous les critiques des cahiers étaient passés à la réalisation, sauf moi. Mais j'étais de 5 ans plus jeune que leur cadet Truffaut. Et à 22 ans, je ne me sentais pas prêt. Ou plus exactement, pris dans le trip de la critique. Je n'y avais pas encore songé, car cela me semblait un idéal impossible à atteindre, comme de devenir Premier ministre. Hitchcock, c'est un bon ou un mauvais? Hitchcock, c'est un génie. T'es con, ton. Compton, t'es un con. T'es sûr? C'est Jacques qui me l'a dit, il est bien passé pour le savoir. Il y a 3 cons. Compton, Elmer, Fuller. T'es folle? Fuller, c'est un génie. C'est merveilleux d'exciter. Petite, je rêvais toujours que j'avais à la maison. Et aujourd'hui, je l'ai au lit. C'est ça, le 20e siècle. Je vais vérifier dans mon sadou. Fuller, Fuller. Il est même pas. Sortie d'À bout de souffle, j'avais écrit dans les cahiers d'avril 1960 le premier article un tant soit peu conséquent sur l'œuvre de Godard. Je fus donc invité au cocktail de lancement organisé par le producteur du film, Georges de Beauregard. Légèrement grisé par le champagne, j'étais en grande discussion très conviviale avec Jean Seberg lorsque Godard me présenta à Beauregard en lui conseillant de me produire un film. On a souvent une image assez austère de Godard qui passe pour être très égoïste. Mais la vérité est tout autre. Certes, il méprise les opportunistes et les incompétents. Mais c'est un homme d'une générosité folle qui prête de l'argent à tout le monde, quitte à être fauché. Il fut le Pygmalion du cinéma français, découvrant de nouveaux interprètes et réalisateurs à travers le canal de Beauregard, lequel était devenu riche grâce à À bout de souffle, juste après avoir frôlé la faillite, et prenait donc Jean-Luc pour l'Évangile. Il fit produire les premiers grands films de Rosier et Demy, les premiers longs-métrages Dans le système de Varda, Rivette et Melville. Plus tard, Godard finança le premier long-métrage de son assistant Beach et coproduisit Le Père Noël à les yeux bleus de Stache.
Ce n'est pas un paradoxe que de définir Godard comme l'un des plus grands producteurs français. Beauregard se vantait de ne jamais lire les scénarios. Il en serait de même plus tard pour Jean-Pierre Rassam et pour Paolo Branco. Il prétendait qu'il lui suffisait de bavarder un quart d'heure avec le réalisateur à bâton rompu pour se faire une idée de la personne et lui dire oui ou non. C'était toujours oui quand Godard avait recommandé un de ses poulains. Donc, Beauregard me dit de passer à son bureau avec un scénario en trois lignes. J'arrive peu après avec un steak trop cuit. Il s'agissait d'un gamin auquel, en l'absence de ses parents, sa grand-mère, mais l'affreux Jojo très jaloux, lui demande toujours plus à manger afin de lui faire rater son rencard. J'avais choisi une comédie parce que j'aimais faire rire. Et puis, la comédie était alors un des trois genres majeurs avec le policier et le western, ou le film d'aventure. Je croyais, très naïvement, que, en me situant toujours dans un genre précis, mes films seraient nantis d'une étiquette qui, obligatoirement, les rendrait facilement exploitables. Mais je ne m'étais pas rendu compte qu'il ne suffisait pas de choisir un genre, il fallait aussi en respecter les conventions. J'ajoute que, avec le film d'horreur, la comédie est l'unique genre qui permet d'avoir une preuve concrète de la réussite du film, on entend les gens rire. Et c'est bien commode quand on vient présenter ses propres produits. J'avais toujours rêvé de tourner avec Françoise Vatel. Elle avait un côté pulpeux, très Renoir. Le grand regret de sa vie, ce fut quand Jean Renoir, en dernière minute, lui préféra Catherine Rouvel pour le déjeuner sur l'herbe. Elle jouait à merveille de sa vivacité et de son ingénuité. Un bon acteur, c'est celui qui doit faire à la suite tous les gestes, tous les effets de jeu prévus et les rendre sensibles au spectateur. Le jeu, c'est avant tout la décomposition, beaucoup plus que la composition, contrairement à ce qu'on dit généralement. J'ai eu très peur pour Françoise Vatel. En 1965, je l'avais promue associée femme de paille dans ma maison de production. Il fallait être deux pour avoir le droit de produire un long métrage. Et en 1971, elle a failli se retrouver avec les dettes de Billy le Kid sur le dos. Elle n'en a jamais su. Là, j'ai eu chaud. C'est peut-être la peur de ruiner Vatel qui m'a donné la force de lutter contre mes années noires suivant Billy. En choisissant mon frère Patrice comme autre protagoniste, je ne risquais pas d'être dépaysé ou de trouver un collaborateur rétif. Au générique, je l'appelais Albert Juros, car ses phonèmes correspondaient à son apparence. Et aussi parce que le cinéma familial était mal vu à l'époque. Ça ne faisait pas sérieux, pas professionnel. Et je craignais que si Beauregard avait su que c'était mon frère, il l'eût très mal payé ou pas payé du tout. Et ça rehaussait mon prestige personnel. Je faisais semblant d'avoir découvert un inconnu. Pour me mettre parfaitement à l'aise et pour ne pas alourdir le budget, je tournais chez moi. Je n'avais qu'un mètre à faire pour rejoindre la caméra. Avec Anatomie la rapport, il y eut un progrès, je n'avais même pas à me lever de mon lit. Beauregard détestait mon steak, lui, le noble, il se trouvait devant un comique très roturier, avec des gros mots en continuité et des actions sales, il adorait le luxe clinquant, il avait honte lorsque j'arrivais en bas de chez lui en vélo, un jour pour lui faire plaisir je suis venu en mobylette, il me guettait à sa fenêtre. Ah, au moins, vous avez fait un petit effort. Depuis, j'ai comme devise, l'intelligence d'un producteur est inversement proportionnelle à l'écart qu'il exige entre lui et mon vélo. Meurtri par cet accueil, je présentais ensuite le film à Rivette et à Truffaut, qu'il aimèrent. Ce qui me redonna le moral, après ma crise d'angoisse juste avant le début de la projection. Le steak fut admis dans une section du Festival du court-métrage de Tours où seul contre quatre, le juré André S. Labarque l'imposa grâce à des trocs « Je vote pour ton film si tu votes pour le steak ». Mon steak fut bientôt acheté par l'Angleterre. Dans les années à venir, mes films auraient toujours un premier client hors de France. Pour moi, la France n'a jamais été un pays très accueillant. D'ailleurs, je n'ai jamais trouvé une Française de souche qui accepte de coucher avec moi. La nationalité d'un cinéaste n'est pas forcément celle de son passeport, dû au hasard, et n'a pas automatiquement une relation avec le lieu où il vit, comme beaucoup le croient. C'est ainsi que Melville et Boisset sont des cinéastes américains. Le sang de Paulet est un film brésilien, et Marcel Ophuls est un cinéaste très chinois. 1961. Ce ne fut pas l'année du dragon, ni celle du mouton, mais celle du steak.
Il y eut la première diffusion de Charlotte et son steak de Romère et le steak de L'homme qui tua Liberty Valance. Quelques-uns disent que c'est mon meilleur film. Peut-être aurais-je dû m'arrêter là. Truffaut, en juillet 1959, m'avait dit qu'il me donnerait un coup de main si je voulais un jour tourner un film. Selon lui, chaque producteur de film devait investir au moins 1% dans la recherche, avoir son petit laboratoire, comme les entreprises industrielles normales. Immédiatement après l'affaire du steak, je lui proposais Terre Noire, un documentaire sur les conditions de vie dans trois villages reculés de montagne. Après la fiction de steak, je voulais faire un documentaire répondant à la voie d'alternance, à la loi d'alternance. Faire le nouveau film contre le précédent, c'était le slogan de Bergman et des Cahiers. Et puis, le documentaire était un genre majeur du court-métrage, donc en principe plus facile à diffuser, ce qui était important pour moi. Le steak était en rade. Truffaut me proposa de prendre en charge la pellicule et le labo, à moi de me débrouiller pour le reste. Et sa maison de production, Les Films du Carrosse, pourrait prendre le film à son compte si le résultat était bon. Je partis avec un assistant chauffeur bénévole et un opérateur qui allait se révéler un caméraman impossible. Il allait même jusqu'à faire une Lily, une charte de référence pour les couleurs, avant et après chaque plan. Et pas question de travailler sans pied. Moi qui voulais restituer la difficulté à vivre dans ces paysages grâce aux oscillations incessantes de la caméra, sa bête noire était Jean Rouche. Ce fut de ma vie ma seule rencontre avec un mauvais opérateur. Il y eut quelques difficultés. Les paysans, se jugeant mal habillés et peu présentables, ne voulaient pas être filmés. Je décidai donc d'enregistrer cette situation. On voit effectivement les autochtones et leurs enfants qui fuient dès qu'on commence à tourner. J'adorais les villages de Mantet, Pyrénées, et surtout de Mario, Alpes. J'avais trouvé le village le plus inconnu, comme le plus grand cinéaste le plus inconnu, Edgar G. Ulmer. Truffaut n'était pas d'accord sur le principe de faire lire le commentaire par Françoise Vatel. Une voix de femme ne ferait pas sérieux sur pareil sujet, plutôt que Vatel, en contrepoint avec la rudesse des images, il lui fallait la sobriété d'un speaker masculin. J'obtempérais. Sauf qu'à la projection du résultat, Truffaut décréta que ça allait très bien pour l'image et aussi pour le commentaire, mais que les deux ensemble, c'était nul. Truffaut aurait voulu un film très neutre, réservé, pudique, dans la tradition de Nuit et brouillard. Et il m'accusa d'avoir fait du Chris Marker. Il arrêta donc les frais. Je dus à nouveau payer moi-même la finition du film, avec cette fois Vatel comme speakerine. Je fus très marqué par ce refus. Truffaut était Dieu pour moi, mais le film plut beaucoup à Rivette et à quelques autres. Terre Noire obtint l'un des rares prix décernés à un court-métrage, le prix du groupe des 30, pour ses qualités, ses défauts et le bon usage qu'il en fait. Il y avait au jury René et Marker. Lors de la présentation du steak au Festival de Tours, je tombe dans un cocktail sur Gian Vittorio Baldi, dont, dans un article, j'avais autrefois vanté les courts-métrages, souvent méprisés par la critique contenutiste. Il me proposa d'aller tourner en Italie un petit film, inclus dans une série de trois courts-métrages pour sa boîte de production. Godard, Truffaut, Baldi, mes trois premiers films furent produits grâce à un cinéaste dont j'avais vanté les mérites. Je ne l'avais pas fait exprès, je vous le jure. Plus tard, c'est au cours d'un cocktail que Paolo Branco me suggéra de faire un film pour lui, en l'occurrence « Les naufragés de la D-17 ». De l'importance du cocktail. C'est bien rare quand je vais à un cocktail si je n'y gagne pas quelque chose. Un nouveau film, une vente d'un de mes courts-métrages, une projection avec voyage, un texte à écrire. On devrait donner des cours de cocktail à la Fémis. Revenons à nos moutons. J'écrirai donc Capito, une comédie montrant un Italien et une Française qui se rencontrent mais prétendent ne pas connaître la langue de l'autre. Le film n'est pas autobiographique, j'allais certes épouser une Italienne, mais je ne l'ai connue que 7 ans plus tard. Capito était fondé sur une suite de rebondissements à la Mankiewicz,
ce qui faisait beaucoup pour un film de 8 minutes. Après les risques pris dans mes deux premiers films, qui étaient très atypiques, j'avais voulu faire une pochade qui ne s'écarte pas trop des moules traditionnels style vacances romaines, d'où ce côté un peu nunuche. Les gens le considèrent comme mon plus mauvais film. La Guimauve, c'était pas ma tasse de thé. Il n'y a que Godard qui me dit en 66 que c'était mon meilleur film. Je relativiserai en rappelant que Godard dit toujours blanc quand tout le monde dit noir. Faute de nouveaux réalisateurs producteurs à cajoler, je devins mon propre producteur. Contrairement aux idées reçues, pour un cinéaste, être producteur, c'est un point de départ et pas du tout le sommet de la réussite. On est producteur quand on ne trouve personne pour vous produire. À l'apogée de votre carrière, quand on est connu, on se dégote plus facilement un producteur. C'est Renoir qui disait « J'ai commencé par payer pour tourner et ensuite on m'a payé ». Papa avait manœuvré pour convaincre mon aïeul d'investir dans mon film. Il était en train de vendre un petit immeuble de rapport à Paris, assez pouilleux, mi-café, mi-bordel, déguisé en bain-douche. J'allais tourner le film le moins cher de l'année. 56 874 francs. 400 000 francs pour les 400 coups et à bout de souffle. Brigitte et Brigitte. Titre à la fois très commercial, because Bardot, et très original à cause du redoublement, était axé sur deux étudiantes en anglais, prétexte pour insérer des notations savoureuses sur la médiocrité de l'enseignement supérieur avant mai 68. Brigitte et Brigitte s'est tournée de façon très libre, avec Françoise Vatel, bien sûr. On est allé un jour filmer dans un amphi de la Sorbonne, sans demander d'autorisation, durant la pause entre deux profs, de 10h57 à 11h03. Je suis allé m'asseoir en chaire, débitant un texte riche en âneries universitaires, tandis qu'au balcon, mon opérateur filmait mes actrices en premier plan, avec moi en fond de champ, suivant des instructions que j'avais données au préalable, sans que personne ne s'aperçoive qu'on tournait. Je fus intercepté à la sortie, mais le plan était dans la boîte. Pour tous les extérieurs, jamais nous ne demandâmes d'autorisation. Au Festival du Jeune Cinéma, le film remporta le prix spécial du jury. Je fus d'ailleurs condamné par la suite aux prix spéciaux du jury. Ce fut un succès commercial. 29 084 entrées en France, dont 18 861 à Paris, grâce à l'aide des cahiers du cinéma, un record que 53 ans après, je n'ai jamais battu. Un succès, non pas tellement en soi, la grande vadrouille allait toucher 17 millions de spectateurs, mais lié au faible coût du film. 122 000 francs de recettes nettes pour 56 000 de coûts. L'écart entre les opinions grandissait. France Observateur soutenait que j'étais le cinéaste français qui tue le public par le rire. Nuestro Cine n'était pas tout à fait d'accord. Le film probablement le plus agressivement idiot et le plus pauvre intellectuellement de toute l'histoire du cinéma. Après ce film, j'avais gagné mon surnom, Moulet Bout de Ficelle. Mon système était simple. Ma devise, c'était « L'assurance, le bureau et l'employé sont les trois mamelles de la faillite. » Pas besoin de local. Je mis mon siège social dans une école en ruine que mon aïeul avait achetée pour une bouchée de pain. Pas de capital pour mon entreprise, il en fallait, mais il resta fictif. Pour les contrats de salariés, nécessaires en vue d'obtenir l'autorisation de tournage du CNC, je contrefaisais la signature de chaque technicien, ça allait plus vite. Quant au tournage proprement dit, pas de directeur de production, ni de régisseur, pas de feuille de service, personne au son. Jusqu'en 1970, la caméra synchrone était hors de prix. Si possible, pas de script, en ne faisant que des plans-séquences, ce qui diminuait les problèmes de raccord. Je fus toujours le seul à signer les chèques et à établir les très rares fiches de paye. En général, officiellement, je payais au SMIC les collaborateurs et l'essentiel de leur rémunération en dessous de table, ce qui les arrangeait pour les impôts ou en droit d'auteur. J'eus des emmerdements avec les organismes sociaux filmiques parisiens, Gris ou Congé Spectacle, habitués au luxe des grosses productions. Je leur ai couplé le sifflet en leur faisant monter à ma studette parisienne au 6e étage, alors qu'en short, je réparais le dérailleur de mon vélo, les mains pleines de cambouis. Ils en sortirent médusés, ils arrivaient là époumonés et n'avaient plus aucune envie de revenir. Le scénario ?
Comme le dit John Ford, ce qui peut rester d'un film, ce n'est pas l'histoire ni la tonalité du film, mais quelques instants dont on se souviendra pour toujours. Celui de Brigitte et Brigitte finissait à la dernière page de mon cahier d'écolier. Les copies destinées aux collaborateurs étaient polycopiées à partir du duplicateur à alcool des films du Carrosse, dont le factotum Marcel Berber eut la gentillesse de m'apprendre en 2 heures toutes les subtilités du métier de producteur. Je tournais le plus possible d'aurore, ce qui évitait les lourds frais d'éclairage. Pas de travelling, donc pas de rails ni de machinaux. Après le plan marathon qui ouvrait Brigitte et Brigitte, 3 minutes 22, très risqué, je m'orientais vers le plan à durée moyenne, de 40 à 60 secondes, qui offre le meilleur rendement, assez long pour éviter la multiplicité des plans courts, qui augmente la durée du tournage, mais pas trop long non plus, afin d'éviter les défaillances des collaborateurs ou les prises bonnes pour la moitié du plan. Il fallait en plus varier les durées pour éviter la monotonie. Et je portais en vélo les films du labo au CNC pour éviter les frais de bus et de métro. Pour faire des économies et éviter les paperasses obligatoires pour les longs métrages, j'avais déclaré officiellement 2 films, Brigitte et Brigitte, ce qui m'avait conseillé un producteur. Au CNC, on m'avait demandé si je préférais que le prix de la qualité aille à Brigitte ou à et Brigitte. J'avais dit OK pour Brigitte. Et comme il y avait une semaine à Acapulco pour présenter les meilleurs courts-métrages de l'année, on me demanda d'envoyer Brigitte. Les Mexicains virent donc mon film réduit de moitié. Je continuais à faire chaque film contre le précédent. Je précise que le succès de Brigitte et Brigitte m'avait permis de tourner dans la foulée un nouveau film. Brigitte partait d'un constat précis de la vie étudiante. Au contraire, les contrebandières se fondent sur un irréalisme total. Les contrebandières furent un modèle d'économie. Le principe du film avait été déterminé en fonction de la maison alpine ou de ma grand-mère, dont le living et les 4 chambres permirent le logement de mes acteurs, de moi, de mon opérateur et de sa femme qui était script. Papa s'arrangea pour ma grand-mère reste 3 semaines de plus à l'hôpital psy voisin, où elle était soignée, ainsi qu'une de ses cousines. Je me suis toujours demandé comment j'avais pu écrire le scénario de ce film. Il n'y avait aucun feu rouge à mon invention, aucun cahier des charges, aucune contrainte commerciale. Je n'avais fait lire le projet à personne. Je m'étais complètement laissé aller et cédé souvent à l'improvisation. On sautait sans cesse d'un registre à l'autre. La fantaisie allait de pair avec l'invraisemblance. Comme dans Brigitte, il y a 2 filles dans les 2 premiers rôles parce que, à l'époque, j'étais célibataire et je croyais ainsi doubler mes chances, un très mauvais calcul. Contrairement à ce qu'on dit, la relation actrice-réalisateur est difficile. La relation réalisateur-réalisatrice ou réalisateur-scénariste a plus de possibilités de se concrétiser. Et puis, autre raison, les femmes sont à mon avis plus douées pour la comédie que les mecs. Il y avait là l'alternance ville-campagne, héritage du cinéma américain classique. Une problématique qui était aussi d'un bipolaire comme moi. J'aime le plein air, les montagnes, mais j'adore aussi le montage. Paris, mes habitudes, le courrier le matin, les faux à faire, les cocktails, les films à voir. Quand je suis à la montagne, j'ai envie de Paris et vice-versa. À Paris, je peux aussi rêver aux montagnes en contemplant les cartes au 25 millième et imaginer des itinéraires inconnus. Le choix de la contrebande était une référence évidente à l'art du film. Le frère du cinéaste, ce n'est pas le romancier, le peintre ou le musicien, mais bien le contrebandier, celui qui doit travailler en douce, sans laisser voir ses intentions, en faisant passer le véritable objet de son film pour autre chose, tout comme le contrebandier qui doit faire passer la cocaïne pour du sel. Le principe, c'est de feindre de se diluer dans un genre connu, ce qui rassure tout le monde, et de tourner ce qui vous passe par la tête. Contrebandier, je l'étais aussi, de façon plus littérale, puisque je devais fréquemment exporter les films en cachette afin de les présenter aux distributeurs et festivals étrangers. J'avais conseillé ce système à Chantal Akerman lorsque il avait fallu envoyer au festival de Taormina les 13 bobines de Jeanne Dielman et ça avait marché. Contrebande aussi la façon de contourner la loi ou les fausses lois,
comment bosser avec moins de techniciens que ceux prévus par la convention collective. Une telle différence avec Brigitte rendit perplexe le spectateur français. Il aurait fallu que je me fasse un plan de carrière avec une croissance continue des devis et que je me crée une image de marque bien précise qui aille dans le sens de Brigitte. La critique allait révéler des oppositions violentes avec une orientation moyenne très défavorable. Nice Matin écrivait « Le film nous emporte dans une sorte de logique supérieure, celle des fous, vers des sommets de lunatisme non loin de la poésie à travers le délire satirique. » Positif ne l'entendait pas de cette oreille. Autant dire que tout cela est accablant et nul. Pas difficile, pas facile de redresser la barre. J'avais perdu presque tout le pèse gagné sur Brigitte. En tant que réalisateur, les revenus n'étaient pas garantis comme à l'époque où j'étais critique. C'était le reflux. Très naïf, j'avais cru, dès mon premier tournage, que ou c'était foutu, ou ça fonctionnait bien, et que du moment où j'avais fait deux longs métrages, tout allait marcher comme sur des roulettes. La réalité n'est pas si schématique. Après chaque film, on repart de zéro. J'aurais dû me souvenir des multiples déconvenues qui affectèrent les grands Américains, de Griffith à Preston Sturges, Wells, Flaherty. Les franchises en étaient moins victimes car ils avaient besoin de peu. Heureusement, arriva mai 68 et tout changea pour moi. Au cours des états généraux du cinéma, je pus connaître beaucoup de cinéastes en dehors de ceux des cahiers. Se créa alors, sur les ruines des états généraux, une association un peu proche d'un syndicat, la SRF. Je travaillais bénévolement et assidu, comme on savait que je faisais des films pas chers. C'était rigolo de voir la fraternisation entre des gens de tous bords. J'eus même l'occasion de défendre les intérêts d'Autant Lara. La SRF fit du bon travail, mettant fin à des incongruités de la loi. C'est grâce à elle que l'odieuse taxe à la sortie, égale à 20% du budget d'un film à petit budget et à 0,2% de celui d'une superproduction, fut abolie. Que l'avance sur recette fut démocratisée, que la censure fut presque supprimée. J'ai bien fait rire à la SRF le jour où j'ai proposé le camping. C'était pourtant un 4 étoiles presque style Kadhafi, afin d'éviter les frais d'hôtel à Cannes pour la quinzaine des réalisateurs. Le secrétaire général, Jean-Gabriel Albicocco, qui pratiquait un cinéma hyper léché, tout à l'opposé du bien, était très sensible à mon militantisme, défendit avec ardeur mon aventure de Billy le Kid à la commission d'avance sur recette où il représentait la SRF. J'avais depuis longtemps envie de faire un Billy le Kid. Ce qui me plaisait, c'était la sonorité du nom, le fait de tourner un western. J'admirais les grands Américains, notamment Hawks, qui était capable de réaliser le meilleur western, le meilleur film de gangster, la meilleure comédie, le meilleur film de guerre, la meilleure science-fiction, le meilleur film d'aviation et d'auto. Avec une naïveté très prétentieuse, je pensais que c'était la méthode à suivre. Des comédies, Brigitte, un film d'aventure, Les Contrebandières, un western, Billy, et un film érotique, Anatomie d'un rapport, presque aussi varié que Hawks. Je repris l'idée de Billy lorsque Jean-Pierre Léo me demanda de faire un film avec lui. L'avantage, c'était que j'avais affaire à un contre-emploi total, un peu comme Schwarzenegger en prof de philo. Léo, jusqu'à présent, surtout dans les chambres et les rues de Paris, qui ne savait ni conduire ni monter à cheval, devenait bandit de l'Arizona. Léo, c'était simple. Il ne lisait pas le scénario, il regardait le script plan par plan, juste avant de tourner, pour que la raison ne tue pas l'instinct. Il me demandait « Luc, qu'est-ce qu'il y a, se passe avant ? Qu'est-ce qui se passe après ?» Et une fois que j'avais demandé le moteur, il criait « Rosé !» L'assistant lui tendait alors le litre de pinard. Après seulement, je pouvais dire « Action !» Le western, pas besoin d'aller bien loin. La Haute-Provence était le lieu de tournage rêvé. Tout était déjà repéré dans ma tête. Aux puristes, je dirais que les montagnes rocheuses avaient en fait copié les préalpes du Sud, puisque les unes datent du début du tertiaire et les autres de la fin du secondaire, 5 millions d'années d'avance. Monument Valley, c'était un remake des rochers de Roquezalte au bord du Causse. Le western, donc le désert. Pas besoin de décor, de maison.
Comme pour les contrebandières, les assistants étaient choisis parce qu'ils avaient une bagnole pour leur physique en fonction du petit rôle qu'ils pouvaient jouer. J'étais parti sur un budget colossal pour moi, 150 000 francs d'avance sur recette, bien plus que le coût global de mes deux premiers films, et je ne me faisais pas de soucis. Mais on arriva bientôt à un dépassement. Le film terminé revint à 230 000 francs, ce qui me laissa avec 80 000 francs de dette. Celle-ci avait été créée par le retard pris au tournage. Mon équipe comprenait surtout des citadins peu habitués au plein air et au soleil. Pour gagner un peu de tonus, Léo avait pris des amphétamines, tourna 12 plans en 2 heures, un record, puis s'écroula. L'actrice, Marie-Christine Kesterber, vexée que Léo eut droit à des amphètes et pas elle, lui en demanda. Ce qui fait qu'un beau matin, à Mario, mon village fétiche, je lui fis tourner un plan sans danger aucun, où elle devait aller de la porte d'une maison à un rocher dominant la paroi, d'où elle était censée se jeter hors champ, bien sûr. À la deuxième prise, elle continua à marcher, mue par mes indications, « Tuer un zombie !» lui criai-je, et très probablement aussi par les amphètes. Elle se retrouva en 150 mètres plus bas. Je ne croyais pas, en descendant la retrouver vivante. Elle s'en tira miraculeusement, ayant roulé en boule avec souplesse, sans se contracter et sans avoir peur. C'était très agréable, je n'ai rien senti. À un moment dans Bibi, on voit un cadavre joué par mon papa. Certains en déduisirent que je voulais la mort du père, ce qui me paraît excessif, puisqu'il y avait toujours une certaine complicité entre moi et papa. Il représentait, au contraire de maman plus normale, le goût de la plaisanterie qu'un enfant apprécie toujours. Il tirait orgueil auprès de ses clients bougnats d'avoir un fils cinéaste, ce qui faisait augmenter ses ventes d'habits. Il a toujours été hors norme. Il n'a jamais eu de boutique, ni de salariés, ni d'inscription au registre du commerce. Il n'a jamais payé d'impôts de sa vie, sauf dans les toutes dernières années où je lui ai un peu forcé la main. J'ai dû m'inspirer un peu de son système. J'en revins à Bibi. C'était le premier film interprété par Marie-Christine Kesterber. 2 mois avant le tournage, elle n'aurait jamais imaginé devenir actrice. Autant dire qu'elle était parfaitement décontractée, à tout considérable. Elle a un côté très féminin, mais en même temps, il était intéressant de la faire jouer sur certains traits presque masculins, sur sa force physique. Elle prend ici l'avantage sur Léo. Bretonne, pulpeuse, elle me stupéfia par la façon dont Valkyrie moderne, elle bondissait, courait dans la roubine. Comment fais-tu pour marcher ? C'est mon secret. C'est fini, j'en ai assez que tu me portes. La forêt de la frontière n'est pas loin. Si tu veux, tu vas aller chercher les chevaux. Tout ce que je peux, c'est rester là. Tu t'endors. Et si tu t'endors, tu vas crever. Allez, viens. Thank you.
Les Robins ou Badlands, ce sont de l'Oxfordien et du Calovien, des terres noires, crevassées et pentues, pratiquement sans herbe. Elles représentaient pour moi la quintessence de l'univers. C'était, à mes yeux, le monde dans toute sa nudité. C'était l'évangile selon Luc. Pour moi, tout est Robin. Le puissant et fascinant vertige du néant qu'elle dégageait évoquait le degré zéro de l'écriture défini par Roland Barthes, qui bizarrement m'avait avoué n'avoir jamais été en Robin. Ça allait devenir mon monde à moi. Beaucoup parmi mes films sont tournés en Robin. Je déteste qu'un autre cinéaste aille tourner en Robin, terroir que je considère comme ma seule vraie propriété privée. Revenons à nos moutons préalpins. Malheureusement, Billy était un western de contrebande, avec la musique pop de mon frère et des délires assez étrangers au genre. Il s'agissait d'une aventure sentimentale. Le film faisait peur à tout le monde en France. Je mis plus de 2 ans à trouver un distributeur qui, lui, ne réussit pas à trouver à Paris une salle qui accepta de sortir le film. Ce qui me sauva, ce fut qu'à l'étranger, le titre et le genre faisaient tilt. Quel pied je pris en allant retrouver dans un café des Champs-Élysées un possible client mexicain. Il me demanda simplement « Hay mucho acción en esta película ?»« Si, » répondis-je. À l'époque, c'est à peu près tout ce que je savais dire en espagnol. Comme de bien entendu la critique fut divisée, l'humanité y vit le meilleur film de Luc Moulet. Léo y réussit une création bourrée de dynamite dans ce qui est autre chose qu'une parodie facile de western au milieu de splendides décors naturels. Par contre, dans cinéma, une aventure de Billy le Kid de Luc Moulet, tout le monde peut rater un film, le premier ennui, c'est qu'il les rate tous. Je mis 30 mois à me rétablir financièrement, notamment grâce aux Philippines. Durant ce temps, face aux créanciers, je faisais les morts. J'avais un sosie de répondeur téléphonique. Un vrai m'aurait coûté des sous. Je décrochais l'appareil dès que le téléphone sonnait et ouvrais aussitôt le magnétophone avec dessus une phrase préenregistrée, un répondeur qui ne fonctionnait que quand j'étais pas là. Je me laissais pousser la barbe afin que personne ne me reconnaisse dans la rue. Je l'ai gardé, ce qui m'a permis de mieux coïncider avec mes origines kabyles. Pour m'en tirer, il me fallait produire des films plus rentables que d'autres cinéastes. On m'avait demandé maintes fois de couvrir des courts ou longs métrages, c'est-à-dire de les prendre en charge officiellement. J'étais un producteur à la Bromberger, cet excellent cinéphile qui bien souvent produisait les films seulement après vision du premier montage ou de la copie standard, ce qui limitait les risques. Tout le contraire des producteurs qui aimaient éprouver le thrill du joueur, comme Paolo Branco, lequel passait pour avoir joué sa femme. Bonne nouvelle, l'année 1973, certaines banques eurent l'idée saugrenue d'établir tous leurs comptes sur ordinateur. D'où, dans la période de rodage, d'énormes erreurs. C'est ainsi que le Crédit Lyonnais avait versé sur mon compte bancaire Moulet et compagnie 88 812 francs et 97 centimes, somme provenant de la vente de céréales destinée à Moulet Frères, le minotier. Le mois d'août aidant, le Crédit Lyonnais ne s'aperçut de sa gaffe que 2 mois plus tard. J'avais déjà tout raflé le prix du minotier et réduit à 1 franc mon compte. Il fut très difficile de me retrouver. Ce fut le seul cas d'apport bancaire à l'un de mes films. Je réfléchis donc à un sujet qui puisse se tourner avec 88 000 francs. Anatomie d'un rapport fut co-réalisée avec Antonietta Pizzorno, qui travailla d'abord comme script sur Billy, avant de devenir mon actrice depuis jeunesse d'un repas jusqu'à Assemblée Générale et parfois mon assistante ou ma directrice de casting. Je l'avais rencontrée le 28 juillet 1969 vers 17h au Festival de Rimini. Quand on vit avec quelqu'un depuis plus de 50 ans, c'est presque autant elle que moi qui réalise le film. Straub a fini par faire signer Daniel Huillet sur tous les films. L'histoire dira combien fut grande l'influence d'Alma Reville sur Hitchcock ou de Mylène van der Merch sur Bresson. Avec Antonietta, l'avantage, c'est que je ne risquais pas de prendre la grosse tête. Au fur et à mesure des années, elle critiquait de plus en plus tout ce que je faisais. J'ai dû cesser de la prendre comme assistante. Sur la comédie du travail, chaque fois que je lui demandais quelque chose, elle me répondait « non, c'est pas pressé » ou « c'est idiot ». Alors qu'un assistant doit toujours penser au plan d'après. Une de ses plus grandes qualités, c'est qu'elle déteste les animaux, j'y reviendrai.
Anatomie se fondait sur les difficultés à l'arrivée du MLF, le mouvement de libération de la femme, vers 1970. Mise en question des rapports physiques et moraux entre hommes et femmes, en insistant sur le grand problème du siècle, commirent Marx, Heidegger, Mao, Solzhenitsyn, Sartre et bien sûr Foucault, orgasme vaginal ou orgasme clitoridien. That is the question. Antonietta refusa le rôle féminin, ayant peur d'être à la fois devant et derrière la caméra. Refusèrent aussi Maria Schneider et Anne Wiazemski, choquées par le côté cru du film. Marie-Christine Kesterberg accepta. Aucun financement extérieur, sauf le Crédit Lyonnais, à l'insu de son plein gré. Juste 5 techniciens plus 2 acteurs, dont moi. Et surtout, pas de feuille de service. Film dialectique, donc, où une scène pouvait carrément jurer avec une autre. Sans en avoir le statut, ce fut la seule véritable coproduction franco-italienne de l'histoire du cinéma, avec un réalisateur de chaque nation. Avant le tournage, je considérais Billy comme une tragédie grecque, mais à la projection, tout le monde rigolait. À ce moment-là, je me dis que j'étais vraiment un auteur comique et que je devais tout faire absolument pour faire rigoler. C'était mon destin. Antonietta, qui croyait avoir exposé ses sentiments en des termes graves, fut très choquée le jour où je soumis Anatomie au Festival du film d'humour, lequel, par une ironie suprême, se tenait dans la commune de Volnavay. Antonietta fit chambre à part pendant 7 jours. Le film fit 9732 entrées en France. Sorti en Belgique grâce à l'intervention de Delphine Seyrig, il avait coûté 71 521 francs et rapporta le double. L'éventail des critiques fut encore plus varié qu'avant. La montagne, une autopsie extraordinaire, délirante, fantastique, du cogito de deux intellectuels qui n'arrivent pas à prendre leurs pieds. Selon la revue du cinéma, on savait déjà que Luc Moulet était un créateur impuissant, et ce que nous ignorions encore, que nous découvrons avec Anatomie d'un rapport, c'est qu'il est également un impuissant sexuel. Le film suivant, Genèse d'un repas, allait éliminer ces disparités journalistiques. Afin d'offrir mon steak toujours inédit en France, j'imaginais un long métrage qui irait à l'origine des aliments dans steak, filmé dans steak. Un steak, des saucisses, des tomates, des bananes. Mais ça marchait pas bien pour le steak et le parcours des autres mets se révélait sans grand intérêt. Après 7 jours de réflexion, je choisis un hors-d'œuvre, un plat de résistance et un dessert qui serait l'un un aliment français, le deuxième un de nos ex-colonies et le dernier des colonies américaines, soit respectivement une omelette, une boîte de thon et une banane. Une trilogie en hommage à Jean Renoir qui identifiait l'art au chiffre 3 ou au triangle classique, le mari, la femme et l'amant, ou le toréador, le militaire et le vice-roi du carrosse d'or. J'aimais bien un point de vue plutôt gauchisant, mais issu de la réalité, qui allait modifier mon image de marque. Comme je m'étais attaqué aux privilèges des enseignants, et comme j'étais le chantre de Fuller de D2000, j'étais catalogué à droite. En fait, j'ai toujours cherché à me démarquer des grands engagements politiques. Réflexe instinctif contre le père, puisqu'il avait été successivement coco, pro-nazi, fan de Staline, puis de Mao, avant de finir socialiste. Cette valse permanente m'avait incité à plus de prudence et de recul. Luc, qu'est-ce que tu vas tourner ? Un documentaire. Ah bon ? Je croyais que c'était un film d'auteur. Ou encore, je disais que c'était un film alimentaire, ce qui était pris au sens péjoratif. L'équipe était plus réduite que d'habitude, deux à l'image, un au son, flanqué d'un régisseur et d'un chauffeur, tous deux appartenant à la nation de tournage. Pas d'assistant, personne d'autre, juste la contenance d'une Toyota. Le transport du matos était presque gratuit. Chaque technicien portait une partie de la pellicule dans sa petite valise de cabine, placée sous le siège de devant. J'avais dit à chacun de faire un beau sourire en traînant sa valoche de 30 kg sur le sol de la piste de l'aéroport, afin de ne pas attirer l'attention. Mon opérateur, Richard Coppens, tournait très vite et sans problème. Parfait 68 art, il professait le plus grand respect de la personne filmée. J'ai tourné avec lui presque tous mes films, de 1977 à 1990.
C'est agréable de bosser avec des gens que vous connaissez bien. Chacun connaît les qualités et les défauts de l'autre. On ne cherchait pas à en imposer à l'autre. Un réalisateur tourne en moyenne 25 jours par an. Il a donc infiniment moins de pratique qu'un chef-op qui bosse fréquemment 125 jours par an. Le cinéaste a donc tout intérêt à bien écouter son caméraman et à ne moduler que modérément les impulsions de son collaborateur. L'unique problème que j'ai eu avec Coppens, c'est qu'il avait peur de la frontalité. Dès que je lui donnais un emplacement pour la caméra, il avait tendance à virer de 30 degrés pour avoir plus de relief grâce à l'oblique. Ce que j'aimais beaucoup de Genèse, c'était son hypertrophie fondée sur quelque chose de minime en apparence, moi qui bouffe une banane, et ensuite mon voyage sur 20 000 km pour tout savoir sur ladite banane. J'avais la réputation d'être un cinéaste minimaliste, mais là, c'était un minimaliste à l'échelle planétaire. Genèse est le seul film qui me fasse pleurer. Je ne l'ai pas fait exprès. Les larmes, ce n'est pas mon domaine. J'étais allé filmer les travailleurs intérimaires qui chargeaient les bananes au port de Machala en Équateur. Je vis que c'était tous des enfants. Ils portaient une, deux ou même trois caisses de 15 kilos en courant, en poussant des cris de joie. Ils étaient fiers d'accomplir un travail d'adulte à 11 ans. Les mômes allaient volontairement et joyeusement au-devant de leur martyr. Vous imaginez ce que ça peut donner, porter 45 kilos à 11 ans. Cette scène, j'étais tombé dessus presque par hasard, mais le hasard, ça compte. Souvenez-vous du petit nuage de la rivière Rouge. Je haïssais ma voix, qui faisait ado muant, parce que j'avais peu parlé pendant ma jeunesse, sauf pour les compos de récitation. J'ai pensé que dire le commentaire de Genèse serait une bonne thérapie, et j'ai pu ainsi m'assumer sur le plan oral. Des 43 films que j'ai faits, Genèse d'un repas est celui qui a le mieux marché dans le monde. Suprême récompense, Genèse passe souvent avec le chef-d'œuvre de Jorge Furtado, L'île aux fleurs. Dans Paris Hebdo, on osa même écrire « Eisenstein voulait filmer Le Capital, Moulet a fait mieux ». Le cinéma lui-même est devenu l'instrument de sa découverte, c'est passionnant de bout en bout. Excusez-moi, je n'arrive pas à trouver dans mon pressbook un compte-rendu négatif, sauf dans positif, bien sûr. En avril 1980, on m'invita à réaliser un épisode de la série Le Grand Jour pour la télé. J'hésitais. Après avoir tourné 5 longs métrages, revenir au cours, ce genre de déchéance était mal vu dans la profession, de même que régresser du 35 au 16 mm ou rétrograder de la réalisation à la critique. Dans leur filmo, certains dictionnaires spécialisés par principe ne mentionnent que des longs métrages de cinéma. Ils sont parfois obligés de se contredire lorsqu'il s'agit de Nuit et brouillard, d'un chien andalou ou de Tex Avery. À vrai dire, cette supériorité du long sur le court ne repose sur rien. On ne reproche pas à un romancier d'écrire des nouvelles. J'aurais dû proposer au CNC des cours entre 1971 et 1973, mes années de jachère. J'eus l'idée de faire ce que je détestais le plus au monde, nager, apprendre à nager. C'était ma période masochiste. 2 films de suite en bord de mer, Genèse et Ma première brasse. Descendant d'une famille alpestre, je suis toujours parti de la théorie « la montagne c'est cocaïne, la mer c'est l'enfer ». La mer ou l'eau en général, vulgarité de la plage, inondation, noyade, fuite. En France, l'eau et la natation tuent plus que la drogue. C'était la première fois que je tenais l'unique rôle principal d'un film, en jouant le rôle de Luc Moulet. Mais il s'agissait d'une fausse bio. C'est vrai, je ne sais pas nager, mais contrairement au Moulet que j'interprète, je n'ai aucune envie d'apprendre. Et je suis très fier de ne pas savoir nager, tout comme de ne pas avoir de permis de voiture. Si j'avais une auto, j'aurais tellement honte que je me donnerais la mort. Comme d'habitude, je préférais tourner en bichrome, car la couleur ne fait pas rire plus, elle fait même rire moins. Je fus condamné ensuite à oublier la bichromie, tout comme pour des raisons voisines, je fus amené à laisser tomber le 16 mm au début du troisième millénaire. Si on veut continuer à tourner, il faut respecter les standards techniques majoritaires.
Les standards narratifs, par contre, je me torche avec. Godard était champion de la citation, moi je voulais devenir celui de la fausse citation. Comme Madame de Sévigné disait à Léoto, Paul, rien ne sert de nager, il faut savoir pourquoi. Mes supérieurs de l'INA avaient très peur parce que j'injuriais la mère. Je la traitais d'andouille, énarque, fille de pute. Or, le directeur de l'INA venait de l'ENA. Mais à la projection, en vue de son imprimatur, l'homme sut prendre ça avec le sourire. À l'époque, c'était le principal problème du film français. L'audiovisuel avait été infesté d'essaims d'énarques parachutés là après avoir fait la Cour des comptes ou l'inspection des finances. Ils n'avaient des postes importants dans le paysage audiovisuel alors qu'ils ne connaissaient rien au cinéma. Ils étaient, par leur ignorance, soumis aux lobbies les plus adroits. Ça ne suffit pas à donner un jugement négatif sur tous les énarques. Dans le domaine du film, j'ai même rencontré deux énarques intelligents. On ne me croira peut-être pas, mais c'est vrai. Ne plus rien produire. Quel luxe. Billy, avec ses dépassements et la chute de Marie-Christine, ça avait été un risque énorme. On est risque ou on ne l'est pas. Mon détachement à l'égard de la finance devenait total sur les téléfilms et les courts-métrages produits par d'autres. L'angoisse des résultats de la première séance du mercredi fréquente chez les confrères, connais pas. Surtout que mes films, c'est de l'économie à long terme. Ils commencent à marcher 24 ans plus tard. Un jour, la nana de l'INA m'a demandé de signer le budget de mon film en préparation. J'ai jeté un coup d'œil, mais elle m'a dit de ne pas perdre mon temps puisque tout était faux dans le devis. Ceux déposés au CNC représentent en moyenne le double de la réalité. Celui d'essai d'ouverture atteignait 694% du chiffre de réel. Et certains, comme la punition de Jean Rouch, atteignaient 1000%. Merde, je ne pourrais jamais battre Jean Rouch. Mon apraxie m'amena à concevoir essai d'ouverture, où un homme essaie en vain d'ouvrir une bouteille de coca. Plus ça dure sur un sujet aussi mince, plus c'est drôle. Ça dure un quart d'heure, mais ça aurait été génial que ça dure 3 heures. Je me fis produire par la firme de mon chef opérateur Richard Coppens les films d'ici, qui avaient été créés par des militants issus du collectif Ciné-Lutte. On découvrait chez eux un respect du technicien et de l'acteur qui les incitait à les faire travailler dans les meilleures conditions possibles. Une longue collaboration sur 17 films. En plus, le siège des films d'ici était situé au fond d'une arrière-cour, ce qui me permettait d'y poser mon vélo sans ôter ma pompe ni mettre mon antivol. Avantage non négligeable sur les producteurs des Champs-Élysées. Le gros investissement, ce fut l'achat de 107 bouteilles de coca. Les familles Moulet et Coppens passèrent 2 mois à finir la réserve. Pour les courts-métrages, je fais souvent un découpage précis, pour m'amuser, et parce que ça rassure mon producteur, ça me rassure moi aussi. Sur les longs-métrages, c'est différent. C'est long à faire, c'est chiant. Un peu comme si, avant de commencer un roman, un écrivain devait faire la liste de chacune de ses phrases. La pratique du storyboard me semble aujourd'hui aberrante, bien que ça fasse sérieux. Ça convient au tournage en studio, option rare de nos jours. Et pour les interprètes, il faut savoir qu'il y a en eux 5 acteurs. Celui du profil droit, celui du profil gauche, celui filmé de face, celui qu'on voit de loin ou de dos, et celui qui parle off. Il est évident, par exemple, qu'il faut tenir compte du fait que le profil gauche de Gary Cooper est infiniment plus porteur que son profil droit. Mes documentaires sont souvent très découpés, 250 plans en 25 minutes, ce qui ferait plus de 1000 plans pour un long métrage, presque autant que pour un film américain standard. Le jogger doit user de ses armes, ce bruit ou cette pose qui déconcerte le chien. Oh, il mord jamais. 500 000 morsures par an. Pourquoi avez-vous épousé votre mari? Parce qu'il me protège bien des chiens. Il faut savoir se faire respecter. En Aveyron, un homme tué par morsure. À Avignon, 1 mois d'hôpital pour un enfant mordu. À Châtenois, un homme grièvement blessé. À Alençon, un bébé dévoré. Dans les Côtes du Nord, une fillette blessée.
un cormeille, un bébé mordu 30 fois. Un dessine, une vieille dame gravement blessée. Un corbeille, un autre bébé est mordu 42 fois. En Ardèche, un chien appuie sur la gâchette et tue son maître. À Boissy, une fillette de 3 ans est tuée. À Gouvieux, deux jeunes frères sont blessés. On ne s'intéresse pas aux animaux plus indépendants et adultes comme le sanglier, l'abeille ou le chamois, mais on glorifie le toutou qui obéit aveuglément à vos ordres. Je résolus de tourner un essai sur la religion du chien en France, animal sacré, tout comme la vache en Inde, l'empire de Médor. Je me laissais un peu aller à la facilité. C'est la seule fois de ma vie où je mis Wagner dans un film, l'incontournable chevauchée des Valkyries, laquelle accompagnait le défilé des grosses motos rafraisseuses de crottes. Le gag était trop beau pour être évité. Ce catalogue des aberrations médoristes fut un beau succès commercial, tourné à la moulée, sans dépenses somptueuses, sans générique. Je dois insister sur le fait que je suis très axé sur la géo. J'ai su lire des cartes bien avant de savoir lire. C'est plus facile. À 5 ans, les officiers allemands qui venaient dîner à la maison m'offraient, non pas des jouets, mais des cartes Michelin. Ma première activité d'auteur fut de dessiner des cartes imaginaires. À 75 ans, j'écrivais encore mes scripts en compulsant les cartes IGN au 25 millième, qui me donnent des idées de séquences, d'actions et de découpages, et me permettent même de deviner la mentalité des habitants de chaque commune. Je suis si obsédé par la géo que, dans les discussions au quotidien, je ne parle jamais de droite ou de gauche, notion trop subjective, mais d'est ou d'ouest, même chez moi. Je me sens très mal quand, dans un lieu, quel qu'il soit, j'ai perdu le nord, ou quand, à la télé, on me parle d'une commune que je ne situe pas, je me précipite alors vers mes cartes qui couvrent le monde entier. Après 10 ans de court-métrage, j'essayais encore une fois de monter un long-métrage. En 1985, la comédie du travail fut refusée par l'avance sur recette. Je décidai de reprendre l'astuce d'Agnès Varda. Dès qu'un de ses projets était refusé, elle en déposait un autre dès le lendemain et ainsi de suite, jusqu'à ce que la commission cale. Celle-là, on réussira jamais à s'en débarrasser, autant dire oui tout de suite. La comédie eut donc l'avance quelques mois plus tard. Par la suite, j'adopterai un principe. Quand un producteur me demande de lui proposer un projet, je commence par le plus difficile, qu'il refusera probablement, ensuite un autre un peu moins difficile, normalement, il acceptera le troisième projet, qui bénéficiera de la comparaison avec les deux premiers. En plus de l'avance, j'obtins du fric de la chaîne culturelle La 7, future Arte. J'avais des amis dans la commission, Janine Bazin et Pierre-André Boutan. J'avais pas mal d'infos sur le chômage. Moi, j'avais déjà profité du chômage en me faisant employer fictivement par l'association non moins fictive présidée par maman, laquelle, sans ressources depuis la mort de papa, bénéficiait d'un salaire fictif attribué par mon association fantôme qui la licencia très vite pour qu'elle puisse toucher son chômage. Sabine Autepin accepta le film. Elle eut une très longue carrière puisqu'elle commença à 5 ans dans Jules et Jim. Chez elle, tout est en souplesse, en doigté, en nuance, ce qui convient à merveille à son côté acidulé. Elle complique le travail des chefs opérateurs puisque sa joue droite est assez différente de la gauche. Mais il faut savoir utiliser chacune quand il faut. Le film heurta les Français, et ce, dès le passage à l'avance sur recette, parce que c'était une comédie sur un sujet grave, le chômage. Et parce qu'au bout d'1h25 de comédie, il y avait un meurtre. On ne mélange pas le comique et le tragique, vieille rengaine cartésienne, depuis longtemps caduque, 11 343 spectateurs. Qu'il coûte 56 000 francs ou 3 millions de francs, mes films font grosso modo le même nombre de spectateurs. La comédie du travail ramassa pas mal de lauriers. Des prix spéciaux du jury, comme toujours, et le prix Vigo à l'unanimité. Vous n'avez pas de vélo, vous ? Montrez-moi au papier.
Pour moi, le vélo est assez proche du cinéma. C'est toujours quelque chose qui tourne. La roue du cycle, la pellicule dans la caméra. Des fois, dans la vie, je ne sais pas si je tourne un film ou si je pédale. Idem pour la critique. J'ai écrit certains textes ou pensé à des scénarios tout en pédalant. J'adore le sport qui me permet d'ajouter un maximum de vie physique au maximum de vie intellectuelle, ce qu'ont bien compris Alain Tanner ou Louis Malle. Les grands critiques de cinéma, trop enfermés dans les salles obscures, meurent jeunes. Bazin, 40. Truffaut, 52. De même, j'ai toujours évité de faire de la théorie car elle mène au suicide. Benjamin, Deleuze ou au meurtre, Althusser. J'ai vu tous les films, mais j'ai aussi gravi tous les cols. Enfin, 229. La conduite à vélo est une activité pas trop difficile et bien dans mes cordes. Au moins, il n'y a pas de ceinture à attacher comme en auto. Et puis, je bénéficie d'un excellent pouls, 49 en moyenne. Je peux donc rouler sans trop d'efforts. Un jour, j'ai même gravi le Tourmalet sans le sentir. Pourquoi y a-t-il tant de montagnes dans mes films? Bien sûr parce que ma famille paternelle en est originaire. Mais ça n'explique pas tout. Elle venait de la moyenne montagne, de ces baronnies débonnaires et arrondies qui culminent péniblement à 1700 mètres et mes aïeux n'ont jamais dépassé les 2600 mètres. C'est parce que je me suis cherché un territoire. Tout comme à Paris, j'ai cherché à m'identifier à la famille des Cahiers, puis de la SRF, puis à celle des films d'ici. Lubitsch disait « Pour faire du cinéma, il faut commencer par filmer des montagnes. Comme je suis resté au stade de l'apprentissage, j'ai continué à filmer des montagnes. » La terre de la folie obtint assez facilement l'avance sur recette, d'autant que j'avais la chance de pouvoir m'attacher à un sujet que nul n'avait traité, la folie dans les Alpes du Sud, dont j'avais une connaissance directe, puisqu'environ 13% de ma famille paternelle était concernée par le sujet. Une investigation plus poussée me permit d'établir une sorte de catalogue de la folie, de tout ce qui s'était passé dans ce pentagone de la démence. Face à cette accumulation d'horreurs, dont plus d'une quarantaine de suicides ou de meurtres cruels évoqués, le réflexe a toujours été d'en rire, ne serait-ce que par l'incongruité des actes criminels, parfois à la pioche, à la pelle, à la hache, au vitriol, et nous avions axé l'ensemble sur l'humour, la meilleure défense contre l'horreur. La terre de la folie fut sélectionnée devant une salle comble à la quinzaine des réalisateurs. Et j'obtins, grâce à l'humour du président du jury du Festival de Groland, Jean-Pierre Mocky, un prix d'interprétation masculine. Je suis, avec Samuel Fuller, le seul cinéaste à avoir reçu un prix d'interprétation. Et je demeurerai probablement, jusqu'au jugement dernier, le seul cinéaste à l'avoir reçu pour un documentaire. Bravo. De notre conversation, tu vois, parce que le spectateur, il va avoir l'impression d'une improvisation, et en fait, tout ça, c'est très calculé. On en discute depuis 24 heures, depuis 48 heures. Mais, c'est inutile, parce que ce soit une vraie constitution ou une réalité, qu'est-ce que ça change? Comme je te disais tout à l'heure, c'est, on est renvoyé à la réalité fictionnelle, et puis c'est tout, il n'y a pas d'autre réalité. Donc, pour moi, il n'y a pas d'autre. Et Antoinette, tu rentres pas dans le plan, alors? Non, mais je pense pas à ça, là, finalement. On coupe. Pourquoi tu pars en cours? Je ne coupe pas. Ben, elle ne coupe pas! Bah, je crois qu'on a plus rien à dire, là. On a à dire rien, maintenant. Mais tu le dis pas. Ben, je le dis. Thank you.